Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner. Si vous allez tous bien. Il frappe encore fort. Elon Musk frappe encore fort avec le Dogecoin. Analyse de cette information de Elon Musk encore sur le Dogecoin. Et quelles sont les perspectives d'avenir sur le Dogecoin? Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Nous allons parler de El Salvador. Oui, le El Salvador, il frappe fort. Le OKX, l'échangeur OKX frappe fort sur Coinbase. Et aussi, un token aussi est en train de frapper fort. Aujourd'hui, c'est la force du frappement, si je peux le dire ainsi. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, on va commencer rapidement cette vidéo en parlant rapidement et rapidement du Bitcoin, les gars. Nous sommes à quelques heures, si vous me permettez, ce sont 12 heures avant le halving du halvinage. Cet événement qui va rendre beaucoup riches. Et malheureusement, va appauvrir beaucoup. Oui, va appauvrir beaucoup. Parce que, vous savez, on nous informe que le halving, c'est le processus qui active le bull run pour certaines personnes. Et quand le halving arrive, automatiquement, toutes les crypto-monnaies vont avoir, voilà, vont faire 1 fois 10, 1 fois 20. Mon frère, tu vas attendre longtemps. Certaines crypto-monnaies peuvent le faire, mais d'autres, non, je ne crois pas. Peut-être pas maintenant. Donc, c'est pourquoi un cryptophile doit apprendre une chose, avoir la ceinture de la patience, hein, sur ses, voilà, sur ses, enfin de faire quoi? Enfin de se préparer au pire, en espérant le meilleur. Oui, j'aime ce genre d'informations. On nous dit, le Bitcoin peut arriver à 450 000 dollars après le halving. C'est-à-dire, après le halving, pour certaines personnes, c'est le marché haussier qui va commencer. Oui, c'est le marché haussier. Est-ce que ce marché haussier-là va envoyer le Dogecoin à son ATH? Nous allons comprendre et analyser tout ça dans cette vidéo. La force de frappe de Dogecoin se trouve derrière Elon Musk. Et quand il commence comme cela, vous allez comprendre quand est-ce que Elon Musk a commencé et comment il commence par moment. Je vais tout analyser pour toi ici dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Non, on dit simplement que le Bitcoin va arriver à 450 000 dollars. Les gars, nous les analystes, nous commençons par avoir voilà, un peu de l'illusion. On dit jusqu'en 2025. Il y a ceux qui disent non, c'est un an après le halving que le Bitcoin va arriver à 450 000 dollars. On est là ou bien Dieu n'a qu'à nous prendre prêter vie ou bien. Et on va voir le Bitcoin à 450 000 dollars. Ça serait la joie dans l'écosystème. 450 000 dollars, un Bitcoin. J'imagine la suite. J'imagine toutes les crypto-monnaies qui se créent dans la blockchain, qui se créent en utilisant la technologie de Lightning Network, en utilisant la technologie du Bitcoin. J'imagine ces crypto-monnaies-là. Eh, ça va chauffer. Les Camado, les chaînes qui se créent sur le Bitcoin, les tokens ordinal, etc. Actuellement, on n'en parle même plus. Ouais, non. C'est que chaque catégorie de crypto-monnaie a sa saison. Pour le moment, je crois bien que le halving va profiter plus. Hein, aux crypto-monnaies qui se retrouvent dans la blockchain du Bitcoin. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Je n'ai pas la boule de cristal, mais le Bitcoin à 450 000 dollars. Après le halving, ça dit un an, ça dit qu'on dit le Bitcoin va faire 8691%. Et c'est beaucoup, hein, les gars. C'est énorme. Comparé au prix du Bitcoin actuellement, c'est beaucoup. De toute façon, on est déjà dedans bien. On va faire comment? Celui qui est déjà tombé, elle ne peut plus, celui qui est déjà à part terre, elle ne peut plus encore tomber. Ou bien, en avant la musique. Les gars. Et OKX est en train de faire fort. OKX veut en quelque sorte montrer à Coinbase que lui aussi il est là. OKX qui est à la quatrième position et Coinbase à la deuxième position. La force de frappe de Coinbase est inébranlable. Les gars, soyez sincères. Nous savons que Coinbase a mis en place quoi? Et sa propre blockchain. Sa propre blockchain, mais en se basant sur la blockchain de quoi? D'Ethereum. Donc, ici, on appelle ça Segunda Camada. Est-ce que, ici, quoi là? Segunda Camada, construite. C'est-à-dire qu'une chaîne, une deuxième chaîne construite sur la chaîne principale. Et ça veut dire que OKX, qui a déjà sa monnaie, qui a déjà sa blockchain, veut encore faire la concurrence à Coinbase. Parce que les gens qui cherchent, parce qu'actuellement, il y a certains qui disent non, je cherche la monnaie de Coinbase. Je cherche la monnaie de Coinbase. Attention! La monnaie de Coinbase, hein, le Base Chain utilise quoi? Utilise Ethereum. Tout ce que tu vois ici, là, hein, c'est, ils ont pris juste le nom de Base. Sinon, réellement, la monnaie Coinbase utilise Ethereum, les gars. ETH, c'est ETH. C'est ETH que Coinbase utilise. D'accord? Donc, et tu vas voir que quand tu vois la monnaie
ETH, elle a le même prix que la monnaie Ethereum. Donc, c'est ma seconde camarade. C'est une deuxième chaîne construite sur la blockchain Ethereum, mais qui utilise Ethereum, hein, qui utilise Ethereum comme base. D'accord? Donc, ceux qui cherchent la monnaie de Coinbase, c'est encore la monnaie d'Ethereum. Donc, il faut comprendre ça, mais sur une autre chaîne. Il faut, quand vous allez dans votre MetaMask, rapidement, vous allez voir que vous allez voir Base, Ethereum Base. Vous allez voir Base. Là, quand vous activez Base dans votre MetaMask, vous allez voir automatiquement que hein, c'est le même prix que Ethereum. Donc, les gars, c'est la même chose. Donc, Coinbase n'a pas lancé en quelque sorte une monnaie différente. Non. C'est encore la monnaie Ethereum, mais dans une autre blockchain qui est de Coinbase. C'est ce que, je ne sais pas si réellement c'est ce que OKX veut faire. Mais OKX lance une annonce en disant que non, ils vont créer hein, un réseau. Hein, c'était hier sur la blockchain de. Sur la blockchain de. Comment appelle-t-on? D'Ethereum comme Coinbase l'a fait. Mais je ne sais pas qu'ils auront une monnaie différente ou pas. De toute façon, on est là, on regarde, on voit ce que ça va donner. Parlant de la monnaie de Coinbase, ah les gars, ils ont encore fait fort. Ils ont encore fait fort. Les gars, c'est ce que j'ai dit. Crypto-monnaie, c'est risqué. Sur ces chaînes, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tu peux perdre comme gagner. Donc, ne viens pas dire non, tu as perdu, c'est la faute à quelqu'un. Non, tu as perdu parce que toi-même, tu as voulu prendre. Si tu avais gagné, tu viendras nous dire. Non. C'est souvent quand les gens perdent qu'ils viennent dire. Quand les gens gagnent, ils n'aiment pas trop dire. Quand ils perdent, ils cherchent un coupable. Mais quand ils gagnent, ils se taisent. Hein? Je ne vais pas. Je continue. Alors donc. On dit simplement, un token est tombé, hein, a fait fort, est tombé de 99% après une attaque qui les a fait perdre 2 milliards, 2 millions de dollars. Quelle est cette monnaie-là? C'est Grand Base. On aura tout vu, hein? Grand Base, Grand Base. Vous savez pourquoi j'ai utilisé Base? Vous savez pourquoi j'ai utilisé Base? À cause de Coinbase. Vous savez pourquoi j'ai utilisé Base? À cause de la chaîne. Hein, de Coinbase. Et cette monnaie-là a été créée dans la blockchain de Base. Vous voyez, Basecamp, d'accord? Dans la blockchain de Base. Et nous sommes en train de voir que cette monnaie-là a souffert une attaque. Et cette monnaie. Et franchement, crypto, ce n'est pas pour n'importe qui. Wallah. Et je suis sûr que toi qui me regardes, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, on dit cette monnaie-là est tombée de 99%. Elle était à 3 dollars et regardez ce qu'elle est devenue. Regardez ce qu'elle est devenue. Regardons. Regardons en un mois. Regardez. Regardez. Elle était à 3. Les gens disent c'est la monnaie de Coinbase. C'est la monnaie de Coinbase. Le GB. Le GB. Le GB. Aujourd'hui, regardez. On dit qu'ils ont souffert une attaque et l'attaque a permis aux hackers de perdre 2 millions de dollars. Ça peut arriver à n'importe quel projet. Que ce soit c'est pas un vrai attaque ou une fausse attaque. De toute façon, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout moment, s'il vous plaît, les gars. Donc, en crypto-monnaie, arrêtons de mettre les organes. Voilà les gens qui ont investi hein, dans ce projet-là. Et elle est listée où? Regardez, elle est listée juste sur les DEX et sur MEX Global. Les gens qui ont cette monnaie-là, imaginez, tu vois de 3 dollars à 0,0009, actuellement 0,008. C'est des choses qui arrivent. Qui peuvent arriver à ta crypto-monnaie, même chouchou. Est-ce que tu es prêt à ça? Si ça arrive, ne viens pas accuser qui que ce soit. Ne viens pas accuser qui que ce soit. C'est toi-même qui t'es lancé. On t'a informé et tu t'es lancé. Donc ça peut arriver à n'importe. Parce qu'actuellement, les gens cherchent les monnaies qui sont dans Base, dans la blockchain de Base. Parce que Base ne va lister aucune monnaie qui est dans sa blockchain. Si c'est ça qui te pousse à vouloir acheter les monnaies dans Base, il faut arrêter ça. Coinbase ne va pas lister. Les gars là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont. Ils ne vont pas lister. C'est comme si hein, les fanatiques de Baby Doge, hein, que nous sommes, pensant que quand Baby Doge va beaucoup évoluer dans la blockchain de Binance Smart Chain, Binance va lister. Nous avons vu que Binance n'a pas listé. Binance nous a fait pof. Ouais, non. Donc, soyez les gars, soyez prudents en crypto-monnaie. Il faut dormir les deux yeux ouverts. D'accord? Alors, maintenant, parlons du Doge, les gars. Franchement. Le Dogecoin. Elon Musk a encore fait fort. Mais sa force de frappe avec le Dogecoin ne donne pas grand-chose, malheureusement, jusqu'à maintenant. Et nous sommes en train d'attendre. Hein, parce que ce que Elon Musk a dit réellement sur le Dogecoin, ça doit te faire réfléchir. Ça doit te faire réfléchir. Actuellement, nous sommes en train de voir le Dogecoin.
l'un des premiers Memecoin qui a une capitalisation de 21 milliards de dollars, au même moment un volume de 3 milliards de dollars. Alors, jusqu'à là, ça peut aller. Et nous savons très bien que le Dogecoin a un total sur plein infinity, minérable à l'infini. Actuellement, ils ont 143 milliards en circulation. Et c'est là que les choses commencent par devenir très intéressantes. Mais avant de continuer sur le Dogecoin, mon frère, tu as oublié de donner le j'aime à la vidéo. Pourquoi? Merci d'avoir donné le j'aime à la vidéo. Et je vais te parler de cette information rapidement. Le livre du Bitcoin qui a été créé par le El Salvador a un projet d'expansion. D'expansion sur plusieurs pays dans le monde entier. Dans 22 pays dans le monde entier, ils ont cette expansion-là. Ils ont déjà traduit ça en portugais, peut-être en français, pas encore. Espérons qu'ils puissent le traduire en français. Et ce livre est en train d'être distribué gratuitement. Je crois bien que c'est grâce à l'éducation dans la crypto-monnaie que nous, les crypto-investisseurs, nous allons comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, les risques liés aux crypto. Parce qu'il y a beaucoup de risques liés aux crypto-monnaies qu'on ne vous dit pas. Malheureusement, il y a beaucoup de risques. D'accord? On nous mira seulement le gain. Mais il y a le risque de perdre aussi tout ce que tu as investi. C'est possible. Donc, tout cela sert pour montrer, les gars, l'éducation, c'est la clé. C'est la clé, hein, du succès. C'est pourquoi nous vous invitons à venir vous former avec nous. Notre formation est toujours disponible pour tous ceux qui veulent se former, ceux qui veulent en quelque sorte prendre le devant, comprendre, découvrir, hein, et au même moment prendre le risque, parce que qui risque n'a rien. Celui qui ne risque pas reste dans sa zone de confort. Et en étant dans la zone de confort, tu risques malheureusement de ne pas arriver à tes objectifs. Sortons de nos zones de confort, on prend le risque, mais des risques calculés. Et la formation, comme le fait le El Salvador, la formation est un peu la clé. Hein, qui pourra te permettre de minimiser, j'ai dit minimiser, pas éliminer, minimiser. Le risque restera toujours dans tout ce que nous ferons, parce que nous sommes des êtres humains, malheureusement. Alors, le Dogecoin, oui, qu'est-ce que Elon Musk a dit concrètement? Les gars, Elon Musk, hier, envoie cela sur le Dogecoin. Il dit, les médias publics, hein, les médias publics doivent couvrir l'événement du Dogecoin comme une crypto-monnaie top 10. Ici. Les médias le disent ça. Les médias. Les gars, Elon Musk ne fait rien sans rien. Franchement, si vous connaissez ce monsieur, il ne fait rien sans rien. C'est lui ici. Et ici qui parle. Les médias, je ne sais pas si c'est les médias ou quelqu'un. Les médias doivent couvrir en quelque sorte, hein, le Dogecoin comme une monnaie top 10. Actuellement, le Dogecoin est en combien? Top 8. Le Dogecoin, top 8, d'accord? Top 8. Revenons sur CoinMarketCap. Vous allez mieux voir. Top 8 ici. D'accord? Top 8. Et il dit, les médias doivent couvrir cela. Alors, on s'adresse à lui. Quelqu'un s'adresse à lui. Et lui dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Mais le gars pense déjà. Enfin, regardez ses yeux. Elon Musk ici, il pense déjà quand est-ce que. Et quand on parle de médias, Elon Musk, quand on parle de médias là-là, les médias utilisent quoi? Internet. Elon Musk est l'un des entrepreneurs qui a plus de satellites dans les cieux, hein, en l'air, qui nous fournissent Internet. Donc, ça veut dire simplement que il est la source même des médias. Il est la source des médias. Si Elon Musk décide que toi, tu vas voir le Dogecoin, hein, partout là, tu vas voir le Dogecoin partout. Tu vas voir, quand tu rentres, tu vas voir le Dogecoin partout. Si c'est décide. Mais apparemment, il n'est pas encore prêt. Le gars n'est pas encore prêt. Je me rappelle, regardons bien le Dogecoin. Regardons bien le Dogecoin. Une autre analyse encore. Les gars, Elon Musk ne commence pas à faire fort. Hein. Le Dogecoin, quand Elon Musk parlait du Dogecoin, c'était dans le marché haussier précédent. 2020-2021. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et quand il a commencé à parler, il parlait de Dogecoin un peu partout. Il a encore recommencé, mais pas au même rythme qu'il avait l'habitude. Ici, le Dogecoin est arrivé à combien? À 0,58 centavos de dollars. 58 centavos, presque 1 dollar. Presque 1 dollar. Et Elon Musk est-il capable, hein, de pousser encore le Dogecoin à 1 dollar? Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais ce monsieur-là revient toujours. Je vous avais dit que ce monsieur-là revient toujours sur les lieux du crime. Il ne va pas cesser de parler du Dogecoin. Il ne va pas cesser. Les gars, il ne va pas cesser. Et nous sommes en train de voir qu'il dit maintenant que sur Twitter, sur X, bien sûr, les nouveaux vont payer quelque chose. Et le fondateur de XRP commence par se fâcher. Les gars, le gars, c'est ce qu'il fait. Le gars n'a pas acheté X, c'est-à-dire que l'ancien Twitter, parce qu'il est riche, il a acheté ça pour se faire. Il a acheté ça à 44 milliards de dollars. Imaginez
les gens qui s'abonnent déjà, imagine l'argent, les gars, il va fructifier le X là. Il va retirer pour lui dedans. Peut-être mais il a déjà retiré même. Franchement, il a déjà retiré. Il a déjà retiré. Donc, les gars, nous devons comprendre que c'est l'argent qui appelle l'argent. Elon Musk, aujourd'hui, joue avec le Dogecoin. Il va toujours jouer avec le Dogecoin. Il va toujours jouer. Elon Musk peut tout à l'heure dire simplement que pour faire monter Dogecoin, il va tout à l'heure que, vous savez, les frais, les gens qui sont, les entreprises qui sont en train de payer là, commencez pas à payer en Dogecoin. Je suis fatigué de recevoir la monnaie future. Commencez pas à payer en Dogecoin. Il va pousser les entreprises de téléphonie qui utilisent ces satellites de payer en Dogecoin. Et si c'est le cas, vous pensez que le gars est capable. Il est capable. Il sait ce qu'il fait. Et quand il le fait, et comment il doit le faire. Donc, avec ce monsieur, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Nous, les investisseurs, on doit savoir suivre ces personnes-là pour profiter. Pas pour être le profit. On doit savoir sur ces personnes-là pour profiter, pas pour être le profit. Et pour profiter de ces, pour sur ces personnes, pour ne pas être le profit, tu dois te former. Je répète encore, la formation, c'est la clé de tout. Et quand on parle de formation, ce n'est pas acheter et vendre, c'est une formation psychologique. Mon frère, tu peux aujourd'hui cliquer pour qu'on t'offre cette possibilité-là. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à notre formulaire, afin de le remplir, pour être contacté par notre équipe par mail ou par Telegram, afin de payer les 100 dollars pour avoir accès à tout ce qui va avec dans le cours de la psychologie, comment acheter, comment la gestion du risque, etc., la règle de trois, etc. Et ceux qui ne sont pas de notification de nos vidéos, cliquez sur le deuxième lien en dessous de la vidéo. Vous allez tomber directement sur notre channel. Abonnez-vous à notre channel. Si YouTube ne t'envoie pas de notification, le channel va t'envoyer la notification qu'il y a une vidéo disponible. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.